c'est parti. C'est un peu comme la rentrée des classes pour Ross. Bonjour les jeunes. Bonjour. Depuis quelques jours, il découvre ses nouveaux camarades. Et pour que l'intégration se passe bien, les élèves doivent apprendre son langage. Le chien, il communique de plusieurs façons. Déjà, son faciès, ses oreilles, ses yeux. Développer l'attention et l'écoute des élèves, une manière d'améliorer l'ambiance de travail dans les classes, même si la présence d'un labrador peut s'avérer perturbante par instant. Si à certains moments, on peut perdre l'attention des élèves, il faut quand même être conscient qu'on la perd déjà assez souvent. Donc là, ça peut vraiment permettre par le biais du retour du chien vers le tableau, le retour du regard aussi des élèves vers le tableau et vers l'enseignant, ou l'enseignement. Mais effectivement, c'est surtout l'ambiance de la classe. Avec les camarades de la classe, on est beaucoup plus à l'écoute, on va dire. Et on prend moins compte des problèmes ou des disputes qu'il peut avoir. Et pour arriver jusqu'ici, Ross a dû travailler dur. Une formation dès le plus jeune âge auprès de l'association Handy Chien. On lui a appris à aller vers la personne. Dès qu'un enfant, dès qu'un jeune va être en difficulté, dès qu'il va ressentir quelque chose, on va avoir ce phénomène où le chien va venir se positionner à côté et donc soulager certains mots, pouvoir déclencher la parole. Ross est pour l'instant le seul chien d'assistance à la réussite scolaire du Limousin. Comptez 15 000 euros pour s'attacher les services de cette adorable boule de poils.